Je me réjouis de m'être associé à mon collègue du ministère de l'Agriculture ce matin et pour la signature de ce document qui témoigne du renforcement d'une coopération solide entre les deux États. En effet, à travers ces projets, le gouvernement taïwanais tend à appuyer le gouvernement haïtien en mettant à sa disposition plus de 16 millions de dollars américains destinés à la production, l'achat et la vente de semences, en plus de son assistance technique à la gestion du laboratoire de contrôle de qualité, à l'acquisition d'équipements et aussi la construction et la maintenance des infrastructures, entre autres. Par cet appui financier consistant à la production nationale de semences de riz, particulièrement dans le département de l'Artibonite et dans les régions du Nord et du Nord-Est, le gouvernement taïwanais apporte son soutien au renforcement de la production agricole et cela fait partie des axes prioritaires et des objectifs stratégiques de la politique gouvernementale dans ce secteur. Au nom du président de la République, Son Excellence M. Jovenel Moïse, et le Premier ministre, Son Excellence M. Jean-Henri Séant, du gouvernement et du peuple haïtien, je tiens à exprimer mes plus vifs remerciements au gouvernement taïwanais pour cette marque de solidarité et d'amitié qu'il témoigne à l'endroit du peuple haïtien depuis plus de 30 ans déjà. Cette coopération entre les deux États a pris son élan en 1996 avec la signature d'un accord de coopération technique agricole. Je tiens également à remercier de façon particulière l'ambassadeur de la République de Chine Taïwan, cher ami, et toute l'équipe de l'ambassade de la République de Chine Taïwan pour le travail important réalisé quotidiennement dans le sens du raffermissement et de la diversification des relations d'amitié, de solidarité et de coopération entre Haïti et la République de Chine Taïwan. J'éprouve donc une énorme satisfaction du fait que la coopération taïwanaise fasse de l'agriculture l'un de ses domaines d'intervention prioritaire. À l'orée de cette année, nouvelle année 2019, que nous souhaitons prospère et fructueuse pour la République de Chine, Taïwan et la République d'Haïti, liée par une longue amitié vieille de plus de 62 ans. Je voudrais vous dire combien je suis heureux de signer aujourd'hui, au nom du gouvernement taïwanais, conjointement avec Son Excellence Monsieur le ministre des Affaires étrangères et des Cultes et Son Excellence Monsieur le ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural. Deux accords d'exécution de deux projets de renforcement de la production nationale de semences de riz, dont l'Artibonite d'une part et d'autre part dans la région Nord et Nord-Est, dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de coopération technique entre le gouvernement de la République de Chine Taïwan et le gouvernement de la République d'Haïti. Ces deux accords qui entrent en vigueur dès ce mois de janvier pour une durée de 3 ans sont les fruits d'une concertation au plus haut niveau entre nos deux gouvernements en vue de concrétiser la vision stratégique du président de la République, Son Excellence Monsieur Jovenel Moïse, visant à accroître sur le territoire national la production du riz par une augmentation de l'offre de semences de riz capable de satisfaire la demande haïtienne actuelle évaluée à environ 20 000 tonnes, dont 5 000 dans la région nord et nord-est, 12 000 dans la région transversale, l'Artibonite, et 3 000 dans la région sud. Dans cette perspective, chacune de ces trois régions sera dotée d'un centre moderne de traitement de semences de riz afin de renforcer l'efficacité de la chaîne de production et de distribution des semences de riz.
Excellences, Monsieur le ministre des Affaires étrangères et des Cultes, Excellences, Monsieur le ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural. Les deux accords dûment revêtus de notre signature conjointe représentent le cadre de l'appui financier que le gouvernement taïwanais entend mobiliser durant les trois prochaines années pour accompagner les efforts du gouvernement haïtien dans le secteur agricole en tenant compte des besoins de chaque région. Le montant global prévisionnel pour la mise en œuvre du projet de renforcement de la production nationale de semences de riz s'élève donc à 22 825 000 dollars américains. Le gouvernement haïtien, à travers le ministère des Affaires étrangères et celui de l'Agriculture, vient de signer un accord de coopération avec le gouvernement de la République de Chine, Taïwan, pour l'exécution de deux projets visant l'accroissement de l'offre de semences de riz de qualité de la vallée de la Thibonite. Les plaines rizicoles du nord et du nord-est, sur une période de 3 ans, soit de janvier 2019 à décembre 2021. Le montant global de l'investissement est estimé à 22 millions de dollars US. En effet, la cérémonie de ce matin s'inscrit dans le cadre des actions gouvernementales en ligne droite avec la vision du président Jovenel Moïse d'accroître la production de riz et d'arriver à une plus grande autonomie d'ici à la fin de son quinquennat. À travers l'amélioration de la disponibilité de semences de qualité, le programme de renforcement de la production nationale de semences de riz sera implanté dans les 4 grandes régions de production de riz du pays, à savoir les plaines d'Ekaï, la vallée de la Thibonite, les plaines du Nord-Est, la plaine du Nord et le pays maître de Saint-Raphaël. De plus, grâce à un financement du gouvernement de la République de Chine, Taïwan, des infrastructures de conditionnement des semences sont en cours de construction à Ferrier, à l'Esther et de la plaine de Tombé, afin de couvrir des besoins estimés à plus de 20 000 tonnes annuellement au terme des 3 années du programme. Permettez-moi, au nom du gouvernement haïtien et celui du ministère de l'Agriculture en particulier, d'adresser mes remerciements au gouvernement de la République de Chine, Taïwan, représenté ici par son Excellence M. Cheng Haohu, pour son importante contribution au développement du secteur agricole et de la filière riz en particulier.